Vous l'avez vu hier au soir, et vous public, vous êtes là, vous allez vous approcher, car maintenant la vedette qui vient, je dis bien, la vedette qui vient sur l'estrade ici à l'Ether pour ce 18e, vous allez voir, elle est grande à son âge, elle est grande par son talent, et elle viendra encore bien plus grande. Croyez-moi, la jeune fille qui va venir sur scène a 12 ans. Elle n'a que 12 ans. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Elle a été à l'école, elle va à l'école, encore l'école comme tous les enfants. Mais musicale, eh bien musicale, tout ce qu'elle prend avec l'accordéon, les morceaux, ça passe comme une moulinette, vous savez. Elle a été voir même des professeurs, le professeur lui a dit, c'est pas la peine que tu viennes me voir parce que t'es plus fort que moi. Alors elle s'est dit, tu sais pas, je reste à la maison et je vais faire mon travail moi-même. Et vous allez voir, en plus... Cher public, et c'est ça qui compte. Quand on nous dit en France qu'il faut avoir un bac plus 5 pour essayer de trouver du boulot, eh bien cette demoiselle, elle n'a même pas besoin de passer de bac parce qu'elle gagnera sa croûte quand même, parce qu'elle ne connaît pas les notes de musique. Écoutez bien, les noires, les blanches, les vertes, les rouges, les doubles croches, etc. Vous allez voir, et si je reste bien longtemps sur ces points, c'est pour ça, quand on arrive à trouver... des artistes, des vedettes comme ça, eh bien, on a le mérite de les présenter dans des festivals, dans des galas. Et moi, j'en suis très fier. Vous allez dire, il y a peu d'orgueil. Ben non, je l'ai trouvé. J'en suis fier pour qu'ils soient là aujourd'hui à ce spectacle. Voilà. Alors, il n'y a pas de partition. Hein. Il y a juste le programme pendant une demi-heure. Écoutez bien. Vous allez voir, ça va vous passer des frissons. Et elle est impressionnante. On voit à la télévision des incroyables talents qui ne valent pas, mais je vous dis bien, qui ne valent pas la demoiselle qui va arriver sur scène. J'appelle Karen Neuville. En plus, je lui fais la bise parce que depuis hier, je suis en train de lui faire la bise. Et j'aimerais quand même, c'est vrai que avoir une petite fille ou une fille comme ça, c'est formidable.